il y a des joueurs catalans, par exemple, Oleguer Presas, qui avait refusé. En fait, il a été convoqué par Luis Aragonès. Et ils ont lui dit, moi je me sens catalan et pas espagnol. Je me sens pas espagnol, je veux pas défendre ce maillot. Ou ce ouais. Aragonès, moi quand j'ai vu ça, j'ai pensé à ces histoires-là. Je me suis dit, mais encore moi dans ces cas-là, je force pas, tu veux pas venir. Tu viens l'a pas. Le problème, c'est que dans le règlement FIFA, si tu refuses une communication, une sélection, Julien pourra le. Non pas que tu es refusé, mais tu dois connaître le règlement FIFA. Tu as une suspension, je crois, de 2 mois. Avec ton club. Moi, je comprends même pas à quoi ça sert. En aucun cas, tu dois forcer quelqu'un à jouer pour l'équipe nationale. Mais si tu fais pas ça, le problème, si tu fais pas ça, comme t'es pas rémunéré par la sélection, t'as une obligation juridique de te présenter. C'est pour ça que ce que font les sélectionneurs, ils parlent avant avec les mecs. Les mecs, ça, ils les convoquent pas comme ça, ils ont pas d'argent. Tout ça me semble parfaitement. Mais Luis Aragonès avait convoqué. Sauf Domenech qui avait convoqué Higuain sans le prévenir. Rappelez-vous. J'étais au château et il y avait la chambre où il y avait marqué Higuain. Sérieux comme ça? C'est extraordinaire. Tu plaisantes? Ah non, mais j'étais là, ouais. C'est sélectionné par Domenech. Ouais, exactement. Bon, bah vous l'avez jamais vu. Non. Il n'est pas venu finalement. Et n'empêche que son père a très bien joué le coup. Il a beaucoup joué sur l'intérêt de Domenech et de la France. Ça a fait un petit peu monter son salaire au Real. Tu veux dire que Domenech a été pris pour un pigeon dans cette affaire-là? Non. C'est ça que tu veux dire. La France a été prise. C'est ça que tu sous-entends. La France a été prise pour un pigeon. La France, monsieur. Et son sélectionneur surtout. Laquelle. Et, ah oui, vous savez ce que j'avais fait, Domenech? Non, pas Domenech, avec Higuain, quand on parlait qu'il pouvait jouer pour l'équipe de France, tout ça. Un jour, je lui ai demandé, au fait, tu sais qui est le président de la France? C'était Sarko à l'époque, il savait pas. Donc tu vois, il n'en avait rien à foutre. Franchement, ça m'étonne pas. À aucun moment, il avait pensé jouer. Bon, et puis sinon,